Les choses qui rendent ouf dans les films d'horreur. Ça rend ouf quand dans les films d'horreur, ils savent pas courir, ils trébuchent sur rien du tout. C'est un truc à te rendre aigri à mort, t'as envie de flinguer l'acteur ou l'actrice. Suite, dans les films d'horreur, personne n'a jamais peur. Y'a un bruit chelou dans une maison hantée bien flippant, et bah ils y vont, voilà, rien à foutre. Bien sûr, dans les films d'horreur, tous les personnages sont toujours teubés. Le mec, il voit une meuf bien creepy dans un couloir toute seule, il va être là, oh, j'ai cru voir quelque chose. Vois ça dans n'importe quel endroit de ma life, je me barre aussi vite qu'un AMG compétition. Ce qui rend ouf, c'est le moment où y'a un trou de balle qui propose au groupe de se diviser. C'est juste la pire erreur à faire. Ça va pas vous aider à trouver une sortie plus rapidement. Non, vous allez juste bien crever. Suite, c'est quand il y a un perso qui préfère se cacher plutôt que sprinter sa race. Tu te fais courser par un démon, frérot. Ça qui te course, il te trouve en fait. Tu peux pas te cacher, voilà, tu vas décéder. Si les persos qui se prennent pour des super-héros, il a réussi à s'en sortir, il devrait appeler la police. Mais non, il veut pas laisser ses amis, du coup il y retourne. Allez, va crever avec eux là, tu sais quoi. Il rend ouf encore, c'est les beaux gosses et les belles gosses dans les films d'horreur. Ça sert à rien de t'attacher, t'es sûr que la moitié du film ils se font déchirer la tronche. Et on a des screamers qui font plus flipper que le monstre en lui-même. La scène elle fait plus flipper que tout le reste du film alors que c'est juste un camion. Tu peux mettre un petit like s'il te plaît.